Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire cette petite vidéo pour faire un petit tuto pour les tulipes. Alors j'ai utilisé les chromaflots, donc j'ai utilisé l'égyptien bleu, le 1112, le mauve 990, l'iris purple 1130, Aztec Purple 1010. Ça c'est pour la fleur et j'ai pris deux couleurs pour le pour la tige, donc le 1720 et le 1600. Voilà. On va commencer par la fleur. Alors je vais faire peut-être laquelle. Alors, j'en ai déjà fait deux pour vous montrer. Donc, je vais avancer vers un petit celle-ci peut-être. Donc là je vais prendre donc je vais prendre une des deux plus foncées, l'égyptien le 1112. On va faire là où il y a des petites ombres. Là aussi, je vais prendre maintenant le mauve 990, on va mettre un petit peu là. On va prendre le iris purple, le 1130. Et là, je vais prendre le 1010, si on le voit. Voilà. On va mettre par ici. J'appuie pas très fort, hein. Normalement. Donc là, je vais prendre le blanc, mon Derwent Drawing. Je vais passer un petit peu de blanc pour mélanger les couleurs. Et maintenant, je vais repasser un peu des plus foncés. L'égyptien 1112. Je fais un peu le contour là, comme ça aussi. J'appuie un peu plus, je repasse là où je suis passé déjà. On va prendre le mauve. On va avancer un petit peu là aussi.
j'ai passé déjà, où je suis passée. Les plus couleurs les plus claires, je prends d'abord le iris pour pâle 1130. On va passer un petit peu là. Et pour finir, on va prendre celui-ci, le Aztec Purple. Voilà, maintenant je repasse un petit peu de blanc. Sur les parties sur ces parties là je vais passer un petit peu de du blender. Non, c'est pas celui-là que je vais utiliser. On va utiliser celui-là, le Carandash. Voilà. Je pense que je vais la laisser comme ça. Faire un petit reflet plus clair comme ça. Je vais peut-être vous faire celle qui est ouverte là. Je vais avancer. Alors, je prends le gypsien. On va faire un petit peu foncer là. Cette partie là. Le iris purple. Prendre le blanc. L'égyptien. On va prendre le mauve je vais peut-être mettre un petit peu de vert là aussi à la naissance de la on va faire la tige. Je la travaillerai plus tard là, la tige. Pour le moment, je vous fais juste un petit tuto sur les
fleur. J'ai pris le mauve. Maintenant, je vais reprendre le foncé. Je vais en faire un petit peu plus grand. Je vais prendre le Iris Purple pour remettre un petit peu là. Et pour l'Aztec Purple 2010. Je fais un petit mélange de ces deux couleurs, de ces deux teintes. Après, je vais mettre le blanc. Je passe le blanc avant de repasser une deuxième couche. On voit bien les deux teintes. Donc maintenant je vais refoncer un peu. Donc je prends le Égyptien Blue. Foncer un petit peu les endroits que je veux avec le Iris Purple. Voilà. Donc là je reprends l'Égyptien. Je fonce un peu. Je remets du purple, bleu. Et maintenant, je vais reprendre le mauve. On va en mettre un petit peu par ici aussi. Et on va prendre pour finir l'Aztec pourpre. Hop. Un petit peu plus clair celui-là. Là, je pense que ça devrait aller. On va repasser encore des endroits avec le blanc. Une petite pointe de plus clair. Repasser un peu si on trouve que c'est pas assez foncé. Hop, voilà.
Voilà le travail. Donc, voilà ce que ça donne. Après, on peut blender un petit peu si on veut. Oups, ça fait sauter les crayons. Voilà, je peux un petit peu blender. Voilà. On peut remettre un petit peu de vert. Pour aller un petit peu plus. Voilà une autre tulipe. Donc on peut leur faire des petites teintes un petit peu différentes chacune. Elles sont toutes de la même couleur, mais elles ont quelquefois des teintes un petit peu différentes. Voilà. Donc ben, je vais continuer. Je vais en faire une autre. Je vais les finir et après je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Voilà, je vais continuer. Une autre petite.
Donc, je vais finir les deux, c'est les deux dernières, et puis je vous montre le résultat à la fin. Alors voilà, j'ai terminé. Donc maintenant, je mets quelques petites touches de noir. Alors voilà, dans les endroits un petit peu plus sombres, juste vraiment quelques petites touches. Une petite touche là. Alors, je vais faire la même chose ici, des endroits un petit peu derrière les doigts. C'est vraiment une petite touche, hein. La dernière, les dernières, voilà, par ici et un petit peu par là aussi. Pour ce petit tuto de tulipe noire, enfin un petit peu noir violet quoi, violet bleu. Donc je vous redis les couleurs. Alors pour les fleurs, j'ai utilisé, je vous les mets hop bien comme il faut, voilà. Alors, je sais pas si on les voit bien. Donc le 1130, le 1010, le 1112 et le 990. Je sais pas si on les voit bien. Peut-être le... Je sais pas si on les voit bien. Voilà. Sinon, j'ai pris un petit peu de noir, bien sûr. Et pour les tiges, j'ai utilisé le 1720, 1802 et le 1600. Voilà. Je vous les montre. Voilà, et puis le blanc. Le petit blanc et le petit blender. Voilà. Ben écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce petit moment passé avec moi. Donc, je reviendrai peut-être pour faire... une autre chose dessus, je sais pas, parce que bon là il n'y a pas beaucoup de feuilles, donc ça va être, je pense pas, je vais faire un tuto feuille, mais là comme il y avait quand même pas mal de tulipes, voilà, je voulais vous montrer comment je faisais mes petites tulipes. Donc ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.